avant qu'il ne te tue. Réalise un peu et réfléchis au lieu de poser ton cul confortablement sur ce fauteuil. Volontairement tu le transformes en cercueil. Que de bêtises amassées dans cette petite boîte en plastique conçue tout improvisée pour introduire dans ton faible esprit plus rapide que l'archiver le si fameux virus, la connerie. La télévision est la meilleure arme de nos gouvernements. Calme les esprits rebelles en les plongeant dans un état somnolent. C'est un interminable long métrage intitulé Argent. L'image, les programmes sont momentanément interrompus. L'ordi, ma tête à présent au sommet. J'en profite, c'est sûr, pour m'enrichir sur vos gueules de niais. Car en ce moment, dans toutes les habitations, l'écran trône tel un dieu que l'on vénère au milieu du salon, se prêtant comme un indispensable objet d'information. Je ris, curieux mélange de psychoblabla et d'illusions. J'accuse et refuse que l'on abuse et l'on use à notre insu de tant de ruses. Non, je n'accepte aucune excuse. Si votre Philippe savait démembrer, posséder la parole, vous l'offririez à vos enfants comme maître d'école. Et leur héros ne serait plus les grands prophètes du passé, mais les guignols du club Dorothée. Stop les images de violence, alors de grande écoute. Stop les jeux idiots, crois-moi, tu fais fausse route. Tu consacres à ton écran plus de temps qu'à tes amis. Mais sais-tu que c'est lui qui brise l'harmonie dans ta famille? Attention, les reality shows sont arrivés. Perdu de vue la nuit des héros où l'amour en danger. Tant d'argent et tant de temps dépensé pour en arriver au résultat final. S'américaniser, laissons-les crever avec leur série jamais terminée. Leur sentiment de supériorité. Je ne veux pas que mes enfants se nourrissent mentalement de ce poison. Je ne veux pas non plus les priver d'un plaisir qu'ils considèrent si grand. Je ne veux pas, tu ne veux pas, je m'aperçois du résultat. Je dis basta, lève la voix de ton poste sous ton poids, prends trop de poids. Remplaçons au fur et à mesure la lecture. Crois-tu que figé face à l'écran nous ayons si fière allure? Nos ancêtres puisaient toute leur connaissance dans les écrits qu'ils dévoraient déjà dès leur plus tendre enfance. Ne te laisse pas noyer dans l'océan de l'ignorance. Lève ton cul, avance, fais-moi confiance. Avant qu'il ne t'en pue,